Ça faisait longtemps ce plan-là. La question que vous vous posez tous, qu'est-ce que Frélar fait? Pourquoi présenter des objets tech? Eh bien, car ça fait depuis un moment que je souhaitais le faire. Et puis comme vous le savez, ma chaîne tourne autour de tout ce qui est les claviers, périphériques, setup, etc. Donc ça rentre dans le thème. Mais pour ce genre de vidéo, il n'y aura pas un rythme précis, par exemple sortir une vidéo de ce type toutes les semaines ou tous les mois, non. C'est vraiment quand j'aurai des produits cool et que j'estime intéressant à vous présenter, que j'aurai vu sur Insta, TokTok ou... TokTok? TikTok? Ou peu importe. Et il n'y aura pas de limite de prix fixé, bien que j'essaierai à ne pas dépasser les plus de 100€, car au-delà, c'est quand même vu un peu comme un investissement, et c'est pas le but. Les produits vont être plus aux alentours des moins de 50€, après voilà, ça va dépendre, mais en tout cas, vers cette tranche-là. Tous les produits m'ont été envoyés par les marques, sauf un, donc ça je vous le dirai quand, puisque je le possède depuis longtemps. Et en plus de ça, tous les produits ont été en moyenne testés 2 semaines, comme ça au moins vous avez l'info. Certains produits seront trouvables sur AliExpress, alors il n'y aura pas que du Amazon, et pour les sceptiques, oui, AliExpress c'est fiable en 2022. Je sais qu'il y a toujours ces fameuses rumeurs avec Wish ou je sais pas quoi, mais non. AliExpress c'est le Amazon chinois, j'ai limite commandé plus de fois sur AliExpress qu'Amazon, alors que je suis client depuis bien plus longtemps chez Amazon. Si jamais dans le pire des cas il y a un problème, il y a la possibilité de faire un litige, et si ça avance pas, AliExpress peut trancher entre le vendeur et le client, et à 90% du temps, AliExpress est du côté du client. Bref, c'était la petite parenthèse pour enfin démystifier tout ça. Je remercie KissFan qui est le sponsor de cette vidéo. Si vous cherchez une clé Windows 10 compatible Windows 11, KissFan en propose une à 7,58€ la clé. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous devrez utiliser mon code FL50 dans le panier au moment de l'achat. Vous verrez que la réduction aura bien été prise en compte. Il ne restera plus qu'à choisir la méthode de paiement de votre choix. Merci à KissFan et la vidéo peut reprendre. Et la présentation du premier produit peut commencer. En premier produit, on va commencer Lite. C'est un support souris qui vous permet de recharger votre souris sans fil Logitech. Alors celui-ci est compatible avec la quasi-totalité des souris comme la G403, 502, 703, 903, les Hero et les séries Pro. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez une Razer, je mettrai en description un dock alternatif qui sera compatible avec la majorité des souris sans fil de chez Razer. A utiliser, c'est super simple. Branchez le câble USB-C fourni à votre PC, placez le dock au bout de votre bureau, remplacez la coque ronde de base par celui fourni, vous verrez 2 emplacements en métal, c'est ce qui servira à faire contact pour recharger la souris. Vous avez la possibilité de brancher le dongle de votre souris wireless à l'arrière du support, c'est optionnel bien entendu, mais moi j'ai pour préférence de le laisser dessus. Bien que certains pourraient dire « ouais mais c'est comme un hub USB, du coup ça rajoute de la latence, etc. » Eh bien moi j'ai envie de vous dire oui et non. J'ai toujours branché à l'arrière du PC sur la carte mère et entre ma souris et l'adaptateur, il y a certains produits en métal, comme mon bras micro, support écran, les câbles, etc. Et le tout mélangé a plus de risques de créer des interférences au niveau des ondes qu'autre chose. Et puis comme le support est branché par câble, qui évite les interférences, ainsi que le dongle est lui-même connecté au support et bien en face de ma souris, à quelques centimètres, donc au final, rien d'alarmant. Après, j'ai pas testé au niveau des MS, voir s'il y avait une différence, parce que bah déjà d'une, j'ai pas d'LDAT, et puis deux, flemme, je tryhard plus les jeux e-sport comme avant. Une fois la souris aimantée au support, elle tient bien, donc aucun risque à ce qu'elle se détache toute seule, ça c'est un bon point. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est que la souris a toujours besoin d'être sur on pour que le dock alimente. Moi perso, ça me dérange pas, j'ai toujours gardé l'habitude de laisser les souris sur on, mais si vous regardez un film et que vous laissez recharger votre souris, bah le logo RGB peut être perturbant, à part si vous le désactivez, donc c'est un point faible sans en être un pour certains. Un objet original cette fois-ci, c'est pour de la déco. Une lampe astronaute qui projette une nebula plus les étoiles. Déjà ce que j'aime par-dessus tout, c'est le style de la lampe, elle ne fait pas tache, une figurine astronaute ça passe bien dans un setup, on peut la mettre n'importe où. Moi je possède la version avec batterie rechargeable, avec son câble en USB-A inclus. Les bras sont pivotables, ainsi que sa tête pour régler la direction de la lumière, on peut même l'enlever, c'est aimanté. A l'arrière même, vous pouvez changer, allumer ou éteindre la projection tout en maintenant le bouton. A gauche, la couleur de la nebula, et si vous voulez l'éteindre, maintenez-le tout simplement. Et à droite, l'effet de respiration des étoiles, et encore une fois, maintenez-le pour désactiver les étoiles et ne garder que la nebula. Ça peut être un choix possible et je trouve ça cool de pouvoir garder que la nébula et pas les étoiles dans certaines occasions ou ambiances. Plus d'effets sont possibles avec la télécommande, que vous soyez en filaire ou avec la version rechargeable, c'est la même, elle est incluse. La possibilité de régler la projection sur 45 minutes en appuyant une fois, ou une deuxième fois pour 90 minutes, ou désactiver le timer en maintenant. L'intensité de la nébula, il y a 5 niveaux, mais également la rapidité sous 4 niveaux. Alors il faut savoir que le premier niveau c'est pour mettre l'effet en pause, et le deuxième c'est pour reprendre l'animation, et les autres n'ont pas vraiment de grande différence par rapport au deuxième, mais sont légèrement plus rapides.
Au milieu, on peut changer la couleur de la Nebula, les types de respiration avec les boutons S- et S+, allumer ou éteindre les étoiles, ou encore la luminosité de celle-ci. Au niveau de la couverture, en tout cas pour ma chambre, elle couvre tout mon plafond, en tout cas pour les étoiles vertes. Ma chambre fait environ 27 mètres carrés. C'est pas énorme, mais c'est pour vous donner une idée. La marque m'a proposé de tester une version alternative, certes moins esthétique, mais différent sur l'éclairage, et un peu plus compacte. L'éclairage proposé est sur les thèmes des aurores boréales, et en plus de ça, une lunette apparente, qui peut être désactivée bien entendu. Là par contre, en termes de couverture, c'est autre chose, ça dépasse même sur mes murs, c'est pour dire. L'alimentation en continu est nécessaire par contre, un câble USB-C est fourni. 7 modes d'éclairage sont possibles, activer ou désactiver la lune ainsi que les étoiles. Différents modes d'éclairage pour les étoiles sont disponibles, comme les étoiles qui scintillent. Une particularité que j'ai pu découvrir sur le moment, c'est qu'elle peut faire enceinte Bluetooth en 5.0. Et j'ai été agréablement surpris car même avec le son à fond, ça sature pas. Après, je recommande quand même de régler le son au milieu, c'est plus adapté. Des modes zen sont inclus, donc des bruits ambiants comme l'eau, les grillons, les cloches et autres. Les deux combinés, ça crée une sacrée ambiance tout de même, et même mon cochon d'Inde lève la tête parfois pour apprécier, ou parce qu'il a faim. Mis à part ça, je fais quand même gaffe à ce que les rayons ne vont pas dans ses yeux, et faites également attention aux yeux avec ce genre d'appareil, notamment avec les enfants si certains en ont. En vrai, à chacun son type d'éclairage, la Nebula, sa projection, elle est plus centrée, alors que l'autre c'est plus centré sur toute une pièce, faut voir ça comme ça. Mais c'est clair que l'effet Nebula sur un point précis, c'est stylé. Si par exemple vous jouez ou que vous regardez la télé ou même concentrez la lumière sur un point précis, je pense notamment à Noël qui arrive bientôt et éclairer le sapin avec les étoiles vertes, ça peut être vite classe. Le K658 de chez Fifin. Alors il a été pas mal présenté en début 2022, ce qui m'intéressait c'est que c'est un micro dynamique pour moins de 100€. Alors le prix fluctue souvent, quand je l'ai reçu il était à 80€ en offre flash, mais en temps normal il est aux alentours de 109 voire 115€, mais possède un coupon de 10€ quel que soit le prix, ce qui le ramène donc à 104€ à l'heure où je tourne cette vidéo. Le micro est livré avec son câble USB-C, son support shock mount pour éviter les vibrations, bruit physique perturbant, une bague adaptateur en 5/8 ou 3/8 pour un maximum de compatibilité avec les perches micro, et un support pied qui peut dépanner dans les débuts, même si je vous recommande de prendre une perche, ce qui est quand même bien plus adapté. Le micro a une belle mousse anti-pop, un bouton tactile à l'arrière pour le bouton mute, une molette pour régler le gain du micro, en dessous un pourtour RGB qui peut être désactivable via un bouton tactile à l'avant, et tout en dessous le port d'alimentation USB-C suivi d'une prise jack qui sert d'extension pour brancher son casque, mais ça c'est optionnel. Alors nous voilà maintenant en situation de test, alors j'ai mis le micro Fifin sur ma perche micro, donc c'est la Rode PSA1, alors que je ne recommande pas du tout puisque le micro il est trop léger en fait, du coup la perche lève le micro tout en haut, donc je recommande justement avec ce genre de micro une perche à 20€, ça peut faire l'affaire. Je sais que la perche et le gâteau ça fonctionne, donc la grosse pas la low profile, la low profile peut-être aussi, je ne sais pas du tout, mais voilà, je sais que la perche la plus grosse là de chez El Gato, elle fonctionne, le reste je ne sais pas du tout. Donc à travers ce test j'ai essayé de recréer une ambiance style Just Chatting Twitch pour tester de manière réelle en fait. J'aurais pu très bien prendre le micro dans les mains et tester par exemple à 15 cm comme ça ou alors sur son pied de base, mais c'est pas vraiment la réelle situation, la plupart des gens ils vont l'utiliser sur une perche, en gros comme avec cette installation en fait en format webcam comme ça. Si on est trop près, le micro il a tendance à pop, mais ça j'ai l'impression c'est pareil avec tous les micros dynamiques, le Shure SM7B je sais que pareil, quand je suis comme ça il pop beaucoup, donc ce que je recommande de faire c'est de prendre le micro et le placer en bas de sa bouche, donc en gros vers le haut, on peut voir qu'il dépasse un tout petit peu ici, et comme ça en fait justement les plosives partent tout droit et ça rebondit légèrement en fait sur la capsule et c'est pas frontal directement en fait contre la capsule, donc c'est pour ça. En tout cas moi c'est comme ça que je me positionne quand je fais mes voix off avec mon Shure SM7B et c'est beaucoup mieux. Après c'est à vous de régler, ça dépend des situations, mais c'est vrai que voilà, évitez de régler la molette trop vers le plus parce que sinon certes vous pourrez éloigner un petit peu le micro, mais ça va capter vraiment tout ce qui est les bruits de clic, les bruits de touche, etc. Maintenant je vais appuyer sur mon clavier, on va voir si ça détecte les bruits de touche en fait. Donc là je suis en train de simuler comme si j'étais en train de jouer par exemple à un FPS, donc en appuyant sur WASD, donc ZQSD pour vous, mais moi je suis en QWERTY donc c'est pour ça. Voilà ce qu'on entend, je pense peut-être un petit peu, mais voilà.
Bien entendu, il n'y a aucun filtre qui est appliqué. Là, je suis en train d'enregistrer avec Adobe Audition, mais si par exemple vous êtes en streaming, vous pouvez ajouter des filtres avec OBS et justement masquer tout ce qui est les bruits de clic et les bruits de touche. Toujours pour les créateurs de contenu, donc c'est un petit panneau LED RGB qui embarque pas mal de fonctionnalités pour son prix. Rechargeable en USB-C, ça en fait sa force. De nombreux modes de lumière sont disponibles, pour l'allumer il faut maintenir quelques secondes et pour l'éteindre c'est la même. Rappuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour changer le mode de couleur, il y en a 3. Le premier c'est CCT, c'est la température de couleur allant de 2500 Kelvin à 9000, donc parfait pour s'éclairer de manière naturelle ou pour donner une ambiance. RGB mode pour régler une couleur RGB précise allant de 0 à 360 degrés. HSI accompagne le RGB mode pour régler la saturation de couleur si on souhaite une couleur plus pure ou qui se rapproche plus du blanc. Et Effect mode, ça c'est pour donner un certain look à des scènes précises, par exemple les urgences, les paparazzi avec les flashs d'appareils photo, RGB strobe, donc des lumières qui sont aléatoires, l'effet de flash, des dégradés, certains avec intermittence, Lightning qui est mon préféré car on peut simuler un style orage avec des éclairs, je tenterai de le faire dans une intro pour un clavier je pense. Mais rien de sûr encore. Et bien d'autres, mais sachez qu'en tout il y a 20 scènes, de quoi bien s'amuser. J'ai la chance que la marque VG m'ait pu m'en fournir deux, comme ça ils vont pouvoir remplacer mes Philips Hue que j'utilise depuis mes débuts, et n'ont jamais été vraiment destinés pour de l'éclairage vidéo de base, ce qui me provoquait du flickering sur certains plans type produit, quand j'avais des réglages précis, mais maintenant c'est encore pire car j'enregistre en 30 images par seconde contre 25. Ce qui veut dire que si je veux garder à tout prix un flou de mouvement naturel, je dois régler mon shutter speed sur 1.60, ce qui est impossible car le flickering serait bien accentué, donc pour pallier à ça je trichais et mettais 1.40, ce qui dans mon cas ne dérangeait pas tellement car j'enregistre principalement des produits et non des sujets en mouvement. Mais maintenant tout ça c'est de l'histoire ancienne grâce à ces nouveaux petits panneaux LED, d'où l'importance d'utiliser du matos adapté. Je le savais mais je retardais à chaque fois le fait de pouvoir upgrade, et en plus de ça je réussissais à tricher un petit peu à droite à gauche pour certains plans donc ça me posait pas vraiment problème. Mais maintenant comme je viens de passer aux 30 images par seconde, là je suis vraiment obligé de changer de lumière. Bon, là c'est bien flagrant parce que je viens de désactiver justement ma Keylight, mais depuis que je vous présente ces lumières, je les ai installées à côté de moi, et je vais vous montrer le positionnement, comme ça donnera des idées à certains pour leur vidéo YouTube. J'espère pas tout casser. À ma droite, la lumière bleue, je l'ai mise sur un support Elgato, mais vous pouvez très bien la mettre sur une pile de jeux ou alors des livres, etc. Voilà, tant que vous arrivez à la mettre à niveau en fait pour qu'elle vous éclaire le côté du visage, comme je vous montrais pour celle à gauche. Alors là, voilà l'exemple parfait puisqu'il y a une carte mère avec une autre boîte en dessous, donc un carton, et encore quelque chose d'autre en dessous pour que tout soit à niveau. Donc la lumière, elle est juste posée comme ça, juste sur le truc, et c'est ce qui m'éclaire. Donc en gros, il y a vraiment beaucoup de possibilités et voilà. Si vous faites des vidéos sur le thème de l'horreur, vous racontez des threads d'horreur ou je sais pas, ou peu importe, et bien vous prenez votre lumière et puis vous l'éclairez comme ça. Voilà, bien entendu dans le noir, et comme ça, ça fait un peu comme le style avec une lampe torche quand on s'éclaire autour d'un feu de camp pour raconter des histoires. Ça peut donner un certain thème. Alors bien entendu, pour faire tenir la lumière, vous la mettez soit sur un support qui vient sur le côté, ou alors, je sais pas, une pile de jeux, comme je vous ai montré, des cartons qui peuvent justement faire supporter la lumière, et vous mettez ça comme ça, et ça peut donner une certaine ambiance. Ou alors mettre un scratch autocollant à l'arrière, donc du double face, que vous posez directement sur un mur, comme ça vous pouvez directement enlever la lumière et après le remettre dessus, ou alors sur des racks, ou en dessous une étagère, ou alors directement sur une étagère derrière un objet pour pouvoir faire ressortir. Ça peut vraiment être stylé, et puis en plus au niveau de sa taille, ma main... La lumière, elle tient dans ma main, c'est pour ça, c'est hyper compact, hyper portable, je trouve ça nickel. Niveau praticité, c'est top puisqu'il a un pas de vis en 1/4 et un câble de recharge en USB-C. Un diffuseur en silicone, alors même si j'ai pas vraiment vu de différence avec ou sans, je la mets toujours au cas où. Une accroche pour mettre sur sa caméra ou sur un small rig, donc parfait pour les vidéos en A-roll, les streams en just chatting pour donner une certaine ambiance ou pour éclairer des produits. Ah, tiens, je suis en train de teaser la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, puisque justement, tout a été tourné avec ces deux panneaux LED. Le prochain objet, c'est un produit que j'utilise souvent au quotidien, et ce, depuis 2 ans. Je l'avais acheté à l'époque, et c'est vrai que c'est un produit assez sous-coté, je trouve, car il est bien pratique. Le tournevis électrique Wostick de chez Xiaomi. À lui seul, il ne coûte que 20€ en moyenne. Vous pouvez acheter les embouts et accessoires séparément, mais c'est toujours beaucoup plus avantageux en termes de prix de prendre un ensemble directement. Bien entendu, tout dépend de ce que vous aurez besoin de
de fer ou non. Son design est assez discret et assez efficace avec son corps en alu. Tous les embouts sont interchangeables et aimantés. Le nombre d'embouts disponibles est fou, 56 pour être précis. Si vous trouvez pas le bon embout, il y a un problème. Sa LED intégrée tout autour permet de voir de manière efficace s'il manque de luminosité. Sa recharge se fait par micro USB. C'est vrai que j'aurais aimé un USB-C, c'est un petit point faible que je pourrais donner. La durée de rechargement est de 40 minutes et son autonomie, bah je sais pas vraiment, ça fait 2 ans que je l'ai et je l'ai rechargé que 2 fois. Après c'est sûr, je ne l'utilise pas H24, mais une chose est sûre, c'est si vous forcez pour un type de vissage, comme pour une carte mère dans un boîtier, il va se décharger un peu plus. Mais aussi, il n'est pas adapté pour ce type de montage, carte mère, ventilo PC, non. C'est pas adapté, prenez des tournevis à main, c'est le mieux. Là c'est vraiment pour de l'électronique, des téléphones, claviers, souris, etc. Moi je possède le kit Ultimate si je peux dire ça comme ça, car j'ai le Wopad aimanté pour ne pas perdre les vis, l'étui de rangement pour le tournevis, l'étui portable très pratique où je peux ranger les embouts que j'utilise le plus, et puis sa base aimantée si je veux mettre un type de vis, un magnétiseur pour rendre les embouts magnétiques ou non, ou encore plusieurs accessoires pour déclipser certaines pièces comme des téléphones ou autres. Certains auraient tendance à préférer deux types de vitesse pour ce genre de tournevis, mais perso ça me dérange pas car je sais maîtriser et anticiper au moment où ça va serrer, donc je me sens pas concerné là-dessus. Après la plupart des pièces sont de l'électronique donc ça reste fragile j'ai envie de dire, vous savez dans quoi vous vous aventurez. Et on arrive maintenant au dernier produit, c'est le Pixou Max de chez Divoom. Il est très populaire sur les réseaux comme Instagram, TikTok et parfois même YouTube. C'est un écran de 32 sur 32 pixels qui permet d'afficher des pixel art que vous pouvez créer vous-même à la main ou à partir d'une photo, ou bien en télécharger sur l'application Divoom qui est disponible sur iOS et Android. Dans l'onglet communauté au milieu, il y a la possibilité de voir les dernières créations faites par les utilisateurs, ou bien on peut chercher de manière précise ce qui nous intéresse, et ça peut être de tout type, chill, gaming, paysage, personnage et bien d'autres. Dans personnaliser, il y a la possibilité d'ajouter plusieurs pixel art sous forme de dossier pour les lire les uns après les autres, et petite astuce car j'ai galéré à trouver, c'est comment faire pour que chaque image reste plus longtemps affichée à l'écran. Il suffit de cliquer tout en haut à droite sur les petites barres, donc l'hamburger, puis sur le premier, et ensuite vous pouvez régler le nombre de secondes. Pour que les modifs soient pris en compte, il faut recliquer sur soumettre. Plein de gadgets sont également disponibles comme afficher l'heure, la température, la date d'aujourd'hui, un visualiseur qui réagit en temps réel les décibels dans la pièce, donc si vous mettez une musique par exemple. Ajouter des alarmes ou encore jouer à des jeux préenregistrés, c'est gadget mais c'est drôle. Des jeux style Pong ou bien Flappy Birds en plus facile. Et puis plein d'autres gadgets. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle là? Car j'aime bien le style borderless qu'il propose et il me fallait pas plus en termes de taille. Celui-ci me convient parfaitement, je peux le poser sur le PC et c'est nickel. Un inconvénient c'est que ce modèle ne permet pas d'afficher les stats en temps réel comme le nombre d'abonnés sur YouTube, Twitch, Twitter, etc. Ou bien le nombre de parties gagnées en jeu comme sur LOL, Apex ou Overwatch. J'ai demandé à Divoom si c'était possible d'afficher tout ça sur le modèle Max et m'ont bien confirmé que ce n'était pas possible malheureusement. Ça peut être un atout pour certains, mais pour moi perso, juste la partie pixel art, c'est tout ce que je souhaitais. Sinon, il faut partir sur la version 64 qui est le double du prix de celui-ci. Après, vous aurez aussi le double en termes de taille et de pixels, encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, si vous comptez acheter un des produits Divoom, vous pouvez avoir 10% sur tout le site avec mon code promo FRELAR. Et surtout, cochez bien Europe si vous êtes en France, pour éviter les frais de douane. Comme ça, l'expédition se fera en Europe. Ah, et les frais de port sont gratuits, ça c'est cool. Voilà pour les produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous, vous possédez des produits qui sont pas communs et qui mériteraient justement de se faire connaître et qui sont pratiques, utiles au quotidien et qui sont cool, eh bien n'hésitez pas justement à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais les tester en vidéo dans une prochaine vidéo et comme ça ça donnera des idées aussi pour certains, ça pourrait être vraiment cool. Dans tous les cas, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.